Et voici ma liste pour le tournoi. Donc un Imperial Knight en Sénéchal avec un Battle Cannon, deux Imperial Knight avec des Thermo Cannon, avec une alliance avec un Tyrannide Ratatata, trois nuits avec Rabot Profondeur et puis 7 Genie Stealer pour 1500 points. Ok, troisième partie, croisade, 4 objectifs, là et là, en Hammer et Anvil. Je joue contre mon ami Big Fred, une revanche de la dernière fois, on a fait un beau match nul, je crois. Et donc il m'a laissé me déployer, donc deux chevaliers, ici le prince derrière les nuées, ici le seigneur de guerre, il s'est contre-déployé, la riptide en face de mon seigneur de guerre, et puis... tout le beau monde là, bon, les coups sont pas là. Et donc il va essayer de me peut-être me piquer l'initiative si je laisse pas commencer, on va voir. Tour 1. Ok, alors vu le déploiement défensif, le contre-déploiement défensif, j'ai essayé de laisser Big Fred commencer. Il a fait avancer son escouade avec son manchot et il a fait surcharger sa Riptide et on va rentrer en phase de tir. Alors bah voilà, il a avancé, il a tiré, il a enlevé un point de coque, puis après il recule. Voilà. Vive le taux. Phase de mouvement. On a reculé un peu tout le monde pour éviter de se faire avoiner au Tank Hunter. Et puis le prince est sorti, donc il n'y aura pas de phase de psy, c'est pratique. On va tout de suite passer en phase de route. Phase de tir, j'ai tiré, mais avec la 2 plus avec Shadow Sun, bah, il n'y a rien qui se fait. Donc là, C'est déjà quoi le. Alors, tour 2, phase de mouvement des taux. Finalement, ça réavance devant la ligne. La Riptide assaute. Farsight arrive avec ses potes dans le dos, comme prévu. Les guerriers de feu sont entrés. Et puis bah là ça commence à galer. Alors phase de tir tôt. Oui. Farsight tire. Il y en a un qui passe, il fait 6. Derrière, il fait re-6. Plus la Riptide. Et kaboum. Et puis là, ça répulse dans tous les coins. Troisième tour pour le phase bleu. Phase de mouvement, alors le prince est rentré. Les Steelers sont rentrés, les chevaliers se sont repositionnés, et puis voilà. Ok, phase de tir, on a tué les deux potes de Farsight avec notre ami et sa galette. Et puis le prince Tyrannide a mis des points de vie sur Farsight, il n'en reste plus qu'un. Les Genie Stealers ont couru, eux ils ont couru, lui il a tiré, il a enlevé un point de vie à un drone. Voilà. Tour 3. Phase de mouvement, il a avancé ici, tout le monde a avancé là-bas, les croûtes sont rentrées sur le bord de table et les guerriers ont avancé. Alors, forcément, les croûtes ont tiré et ont tué tous les Genie Stealers. Là-bas, j'ai perdu un point de coque avec la galette de la Riptide et puis voilà, ça mouvement de répulse dans tous les coins et ça va être mon tour 3. Ok, donc là le chevalier, bah, on va chercher le croûte. En fait là il y a Farsight, vous voyez pas, mais on l'a mis là parce qu'il faut pas qu'il tombe. Donc on va essayer d'aller finir Farsight. Le chevalier va essayer d'aller quand même entamer un petit peu nos amis les animaux là. Et puis voilà quoi. Phase de psy, phase de tir et d'assaut. On a fini Farsight au shoot. Et puis on a tué les croûtes. Et puis là-bas on a tué deux drones. En avançant dangereusement, donc en même temps il faut attaquer, donc on verra bien ce que ça va se passer. Tour 4, tout. Tour 4, tout. Alors, ce coup-ci, ils ont reculé et ils vont balancer 16 tirs, tueurs de charge, jumelés, tout ce que tu veux qui fait mal dans ma tête. Alors, tour 4, tout. Ça a tiré, ça a défoncé pas mal mon chevalier qui a pris 4 points de coque. Et puis après, ça recule. Ça va être tour 4, chevalier Tyrannide.
Tour 4, chevalier tyrannide. Alors le prince avance là. Le chevalier n'était pas motivé pour aller dans le terrain, donc il reste là. Les nuées n'ont pas bougé. Lui a reculé parce qu'il lui reste plus que 2 points de coque. Et donc on va passer en phase de psy. Tour 4, tyrannide de tir. Rien. Lui, j'ai oublié de mesurer, donc j'étais à 19 au lieu de 18. Et quart ou moins quart? Lui, il est loin. À 6h15, on a encore le temps de faire deux. Et là, lui, il n'a rien fait. Tour 5, tôt, les broadsides ont avancé, couru. Vas-y, vas-y, je te fais confiance. Oui, la rip-tide. J'ai lancé, c'est tout. Je te fais confiance. La riptide a tiré sur le chevalier, et puis ça a dévié. Les Crazy Senko ont tiré sur le prince, mais le prince a bien tout encaissé. Donc on va passer gentiment au tour 5, chevalier, tiens. Tour 5, mouvement chevalier tyrannide. Le prince est venu par là pour essayer de nettoyer l'objectif 3. Le chevalier se rapproche ici de son objectif 4. Là, les réperformes sont très bien. Et le chevalier a décidé de faire le seul a essayé de faire son job. On verra si ça fonctionne ou pas. C'est un pari risqué, mais qui peut apporter ses fruits. Phase de psy. Ok, phase de tir. On a tué 2 broadside, la dernière est en fuite. On a tiré tout ce qu'on pouvait sur ces putains de guerriers de feu qui refusent de mourir, il en reste un. Le petit enfoiré de sa mère, mais il est là. Tour suivant, sûr. Voilà, donc on va tirer un dé sur un 3+. Tour 6. Tour 6, tôt. Alors la broadside et le guerrier de feu ont tiré sans succès sur le prince. La riptide a tiré sur le chevalier qui était là, mais a dévié. Et la bombe là, a fini le prince statistiquement. Donc on va passer à un tour 6 chevalier et tyrannide. Alors, mouvement et tir et tout ce qu'on veut. Donc là, derrière, les reapers ont été prendre l'autre objectif. Lui, il a reculé pour reprendre son objectif. Le prince s'est posé sur l'objectif là-bas, il l'a vidé. Ici on a tiré dessus, ça tient bon. Et puis bah quelqu'un tire un dé pour voir s'il y a un tour 7. Sûr. 4+. Donc 1, 2, voilà. Merci Big Fred, encore une super partie.